Hey, salut tout le monde! Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la plupart des cinématiques n'apparaissent même pas dans l'option cinématique du jeu, parce que c'est comme ça que j'avais pas le choix, c'est comme ça que je récupérais les cinématiques dans le jeu. Donc il y aura des coupures assez sèches et assez inattendues, on va dire. Je pense pas que ça nuise vraiment à la compréhension de l'histoire, donc j'ai quand même décidé de vous le mettre comme ça, parce que bah, j'ai pas vraiment de moyen de récupérer les cinématiques que j'ai perdues. Donc voilà, désolé, et malgré tout, bon épisode! Ciao! Hey, salut tout le monde, c'est moi, j'étais obligé de lancer parce que sinon ça buguait, et donc on a une micro-cinématique. Voilà, c'est dit. Grande est ta force, mon enfant. Mais je te briserai. Je ne succomberai jamais au côté obscur. Que tu crois? Oui, parce Je que je vous pensais que rappelle la que portion Bastila des a grands quand même patrons été votre camp calculée, pour hein. vous trompe. Elle a capturé, Tu calculée, m'as tout à fait. battu. Non, cher Bastila. Tu as mal compris. Ceci n'est qu'un aperçu du pouvoir du côté obscur pour te mettre en appétit. Quand tu me jureras enfin fidélité, tu le feras de ton plein gré. Jamais, jamais. Je n'ai que faire de tes paroles. Je lis la vérité dans ton cœur. Le côté obscur te réclame, Bastila. Tu meurs d'envie de succomber. Deviens mon apprenti. Je t'offre un pouvoir sans limite. Et donc, Jamais Rue, rien. c'est un petit peu bizarre, et c'est quand même une motherfucking étoile noire en Je fait. transmets ces coordonnées à l'amiral Dodona. Une frappe rapide de la République permettrait d'affaiblir la flotte Sith. Le message est parti. Il n'y a qu'à attendre que la République arrive. Nous ne risquons rien ici. Nous sommes hors Je de sais pas, portée de leurs on chasseurs. peut voir le truc, mais on peut pas être senti par les senseurs, c'est un petit peu bizarre quand même. Une avant-garde de chasseurs Sith nous fonce dessus. Ah, Prenez le bah on contrôle va du jouer un petit peu à contournail. Call of Duty. Détruisez les chasseurs avant qu'ils n'indiquent notre position au reste de la Non flotte. mais c'est des... Putain. Normalement quand t'engages une cible et que t'es un militaire, tu dis j'engage la cible à telle coordonnée. Chasseurs à Et la donc, poste! désolé si ça a été coupé violemment, c'est les cinématiques. Comment ça me saoulait? Ah mais, vilain. Ça va, y en a plus que 3. J'ai toujours pas compris comment marche ma barre de vie. Mais... Ok, lui il est en dessous. Où ça? Tu vas mourir, ouais! Il faut savoir que je suis moins mauvais que ça en général dans les FPS. Quand c'est des vrais FPS. Déjà la sensibilité. Pas oufissime, je veux dire. Ah, mais attendez, je crois que je peux la régler à la volée. Oui, c'est mieux. Pour faire un tour complet, c'est quand même mieux. De toute façon, là, j'ai gagné. Voilà. Nous sommes pris dans un champ disruptif. Tous les Si instruments tu me sont dis à pas ce qu'un terre, champ tous les disruptif, systèmes ça va sont pas en m'aider. surcharge. Je ne détecte qu'une seule planète dans ce système. Nous allons essayer d'atterrir. Accrochez-vous. Ça risque de secouer un peu. Je sais pas, le truc est plus grand qu'une... Un peu dur Ouais, comme ça atterrissage, va, non? Qu'est-ce qui se passe? Vous volez comme y a si pire le comme champ planète. disruptif a grillé nos stabilisateurs. Donc il nous faut des réparations. J'ai remarqué qu'il y avait plein de coques de vaisseaux. Le Qatar a raison. Cette planète est Ouais, un d'accord, donc cimetière. en Une gros. fois les stabilisateurs réparés, il faudra. Ok. Ils doivent Pourquoi être les... équipés d'une Ouais, sorte de d'accord. protection. T3 capte des fluctuations de puissance énormes avec les senseurs du vaisseau. Vous avez tous oublié Bastila. Nous ne l'avons pas oublié, mais on ne. C'est pas J'espère faux. que nous arriverons à temps. Malak retient Bastille. Ouais, non, mais c'est bon, Bastila. Pire, jamais. Lol, jamais Pourvu Bastila. que Bastila ne puisse pas résister à. Je suis content de t'entendre dire ça. Mais oui, Maintenant que tu connais ta véritable identité, si Bastila est sur la ok. forge stellaire, nous ne pouvons rien faire tant que le D'ailleurs, champ comment est il a en fait pour chemin. trouver Nous la tomberons forge ténère? probablement sur les Il a pales d'un juste fini vaisseau. par tout prendre, Avec c'est un ça? peu de chance, nous pourrons récupérer des stabilisateurs en état de marche pour filer d'ici. J'espère que tout va aussi bien que vous le dites, Kars. Moi aussi, mission. Moi aussi. Mais oui, tout va bien. Point du côté lumineux, juste pour avoir dit. Mais non, Bastien elle est gentille. Bon, tant mieux. Je peux me plaindre. Donc on va sortir sur cette planète.
je ne connais pas, hein, je tiens à le dire. Je vais reprendre Giovanni. Allez, soyons fous. Juste pour les sables laser. Donc j'essaie de choper le nom de la planète quelque part. Hein. Ne serait-ce que pour qu'en haut à gauche, là, vous ayez votre petit... votre petit marchand. Lol, un casier comme ça. Ouais. Calme. Et ouais, j'ai des multipacks, c'est cool. Je crois pas qu'il me reste des masses en plus. Donc... Ça peut être pratique, j'ai un truc. Non. Ah, si. Lol, effectivement, les Giscards se sont barrés. Bon, tant mieux, pas simple. Hein. J'ai multipack. Oui, en cas de baston, je suis dans la merde. Enfin, en cas de vrai baston. Ah, bonjour, ça va la famille? Je crois que c'est un local. Ou ce sont des locaux. Ah oui, d'accord, ils réfléchissent même pas. Donc c'est des Rakata, on va dire qu'on est sur Rakata, parce que je ne sais pas encore sur quelle planète nous sommes. Hein. Ouh, ils sont hauts. Sur le mode de la foudre. Lors de la foudre. Ça n'a pas l'air très bon ça. On va pouvoir s'en sortir sans problème. Et donc comme d'habitude, nous découvrons une nouvelle civilisation et décidons de la massacrer. Mais oui, bien sûr. Ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais bon, pour la même raison que nous. Ils sont où? Tués. Nager, ils sont kaput. Les autres ont été tués, ouais, c'est ça. Bon, le Mandalorien, on est d'accord. Il y a des Mandaloriens? Oui, oula. Mm-hmm. Il se trouve où? Non, d'ici, bah, il y a un temple, je pense qu'on n'a pas le choix, qu'il faut aller au temple. Hein. Ça me semble assez logique. Vous pouvez rester là-bas. Pourquoi n'hésitez-vous pas dans le jeu de notre île? De rien, j'espère que vous mourrez pas en nageant. Ce serait ballot quand même. Bon, bah ok, donc nous on va aller au temple. Il est dit au nord-est. Bonjour, alors attendez. Comme regarder la carte. Nord-est, ouais, on va dire que par là c'est pas mal. Par là peut-être. Remarquez, les autochtones venaient de là. Autochtones, pardon, vous. Si je commence à dire autochtones, ça va pas le faire. Il venait de là, donc a priori, on doit aller là. Oula, non, c'est pas ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu dises combien il y en a et combien sont des guerriers d'élite. Bon, d'accord. Me voilà. Toi aussi. Use la food. Il y a des lits, le poisson, il passe comment? Ouais, voilà. Large. Ouais, tranquille. Je pense qu'il aura à peine le temps d'utiliser la. Ah, si, d'accord. Lol. Bon, ça reste des créatures humanoïdes, donc normalement on va pouvoir dope des trucs dessus. Hein. Je m'insurge profondément contre ce manque total de loot en tant qu'aventurier. Hein, voilà. Ah oui, merde. Bon. Non, non, non. Oui, bonjour. Voilà, merci. Donc on a infesté une planète de Giscard, on a détruit le précieux écosystème et cette planète est vouée à disparaître d'ici 50 ans. Voilà. Surtout qu'on massacre ses habitants. Hein. Je tiens à le dire. Mais, tout va bien, hein. côté lumineux, tout ça, tout ça. Bon, dans le fond, il me saoule. Dans le fond, là, ça, là, je pense que c'est le temple. Hein. Je crois pouvoir le dire sans trop me... m'avancer. Ah bah voilà, extérieur du temple d'ailleurs. Pas compliqué. On peut modifier le comportement par défaut du groupe. Ah, c'est pas mal ça. Ce... Quoi? Les mecs ont des rancors. Au calme. Ok, des jeunes. Hein. Mais ils ont des rancors. Au calme. Me voilà. Oui, hein, j'ai décidé que la foot c'était la vie. Si jamais vous aviez un doute. Go focus le rencor. Oh oui, non, d'accord, mais le rencor est nul à chier en fait.
Mais vous inquiétez pas, arrête. Hein? Quelle est la boutique qui s'est mise à son? Hein? Me voilà. Oui. Tu veux... Mais arrête de. Pire, arrête de se. Oh là là, il gâche. Ah, c'est du propre. Vas-y, tiens, tue-le. Oui. Toi, avance. Calme-toi, toi. Il y a de la foudre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, elle est tapée, hein, du coup. Même fois, d'accord. Le vieux gars d'élite qui se fait tuer. What the fuck? Bon. Extérieur du temple, en attendant, on est tout près du temple. Ah, mais il y a des rencors sauvages. Hein, sans oui. aucune pression. On va voir ce que ça donne. Coucou. Non, ça va, ils ont pas l'air ouf. Coucou. Non, mais laissez-le approcher. C'est quand même assez corps à corps, hein, les rencors. Est-ce que... Ah, ouais, d'accord, mais toi, tu t'en bats les couilles. Oui, toi, tu t'en bats les couilles, en tout cas. T'es le plus faible du groupe et tout, mais tu as décidé que... Fuck la police. Bah écoute, non, si tu meurs, tu meurs. Ouais, bah voilà, t'es mort. Fallait pas y aller. Non mais non, sans déconner, je préfère garder ces level up au cas où il y a des boss ou des trucs comme ça, quoi. Qu'elle a à mourir. Ouais. Oh lol. Il essaie de... Oula, 95 par contre, il s'est picote. J'avais pas vu ça comme ça. Mais toi, je t'avais vu par contre. Ouais. Non, membre du groupe à terre, d'accord. Bon, ça doit le faire, de toute façon, je m'en fous. Mais... Ah non. Alors, je vais me permettre une légère sauvegarde. Parce que là, j'ai l'air un petit peu con. Comme vous pouvez le voir. Tout ça par pure flemme. Voilà. Je pense que j'ai à la fois bien fait de sauvegarder, et à la fois, ça ne servira à rien. Genre, je peux chercher ça, mais c'est peut-être très drôle. Hein. What? Ce jeu est buggé. Ce jeu est fini avec les pieds. Par contre, ça fout. Oh putain, j'ai eu mal à la tête vraiment. Genre, ça tournait, ça m'a fait tourner la tête aussi. Bon, donc, est-ce que. Ok, ennemi repéré, pause. D'accord, en fait, il est obligé de me mettre l'attaque. Bon, bah écoutez, je vous reprends au combat d'air encore, tout ça. Hein. Pas de soucis. Oui, redirect en fait, hein. C'était très rapide. Il y a une sauvegarde rapide, bah juste là. Enfin, automatique, hein. Pas rapide. Donc on va taper comme des porcs. On va voir ce qui se passe. Quoi? Mais genre, il est déjà mort, lui. La blague. Mais, ah, la blague, quoi. Comment ça se fait qu'il y a... What? La meuf elle se fait one shot, mais il y a comment dire? Enfin le combat d'avant, on est d'accord que j'ai rien fait de particulier et pourtant malgré ça c'est... Putain mais arrête de tourner. Ah putain, mes yeux. Ça fait vraiment beaucoup trop bizarre, je trouve. L'inclinaison du sol et tout. Ça fait mal au crâne perso. Non, vas-y, on s'en fout. Ok. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Alors je vous propose qu'on focus tous le gars d'élite. Allons-y. Mais ils en avaient pas deux, je crois, la dernière fois surtout. C'est peut-être ça le souci. Ok, alors le mec se prend mid life mais cash. Voilà. Et le mec, bon voilà, là déjà il n'y a plus que des rencors. Ah non, j'ai rien dit. Mais combien il tape? Elle se fait one shot, d'accord. À la limite, ça me pose pas. Ça me semble. Ça me semble pas si fou que ça. Oh ouais, bah vas-y, mais la vigilance, tant pis. Tant pis. Tu combats deux armes beaucoup. Et la foudre. Voilà. Mais que joli ça soit le choc quand même. Tiens, maintenant que t'as la foudre, tu vas pas l'utiliser. Je suis curieux de ces dégâts quand même. Qui sont légèrement trop élevés à mon goût. Alors toi non, toi oui.
parfait. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que je sais pas, mais il doit avoir la plus grande vigilance du groupe parce que il a toujours la masse de force. Il peut spammer comme un porc. Enfin voilà, bon, je vais clear le champ. Et je vous reprendrai une fois que j'aurai clear le champ, je pense. Ça me semble pas mal, ça. A tout de suite. Donc un baladant, je vois ça. Et c'est une embuscade de Mandalorian. D'accord. Ok. C'est grave la merde. Il y a des guerriers Mandalorian tout court, des guerriers d'élite. Capitaine, un guerrier. Capitaine, capitaine. Je propose qu'on se fasse ce magnifique capitaine. Go. Ok, pas du tout. Je sens plutôt moyen en fait. Tu bouges, tu bouges. Il pouvait pas bouger, d'accord. Non, c'est mal à moi en fait. Limite il meurt, non? Ouais, voilà. Pas mal ça. On a tué le capitaine et rien que ça, ça nous a validé la quête, je crois. Le problème c'est que... Si, il a soigné. Cool. Ok, c'est bon. Fallait soigner joli. C'était assez important. Mais merde. Bon, c'est bon, joli, doit s'en sortir. Mais... Bon, bah, on a plutôt géré. Je pense qu'on a fait le focus et qu'on a eu pas mal de chance sur nos jet dés. Si vous voulez mon avis. Parce que les Mandaloriens à Kashyyyk, par exemple, on avait beaucoup plus galéré. Et je m'y attendais carrément pas, je m'étais approché juste pour remplir la map en attendant que ma force remonte. Parce que c'est cool, la force. Mais du coup on gagne une tête de Mandalorian, d'accord, merci. Comme c'est gentil. Bouclier MF Mandalorian. Et bouclier MF Mandalorian, ok, d'accord. Et il y a autre chose. Non, c'est juste le Giska, oui, parce qu'on a vraiment envahi les Giska. Bah c'est cool. Voilà. Plutôt cool. Heureusement que j'ai réussi à m'en sortir parce qu'en plus moi je me baladais en mode YOLO juste pour remplir la map à fond là comme ça genre. Oui vous voyez, je découvre la map. Mais c'était plus risqué que ce que je pensais. J'ai pas clair le temple, du coup bon tant pis. On va dire que ça fera l'affaire. Faut à la rigueur que je vérifie le level up. Il lui faut 1000. Lui il faut beaucoup trop, hein. Lui, oui, lui il a level up il y a pas longtemps. Non, joli, aura un level up dans pas longtemps, ça c'est assez cool. C'est bon, c'est pas la peine. Attends, quoi? Ah si, il nous agresse, d'accord. Non, 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 il nous agresse pas, il nous agresse pas, il nous agresse. C'est bon, j'ai eu peur. Donc on va essayer de passer là, là. Dans ce truc bizarre. Pas du tout. Alors attendez, par contre on a quand même eu un journal de quête. Mandalorien invisible. D'accord, c'est tout. Merci, super. On s'est mangé une embuscade et on ne peut pas. Donc c'était pas un pauvre tissu qui ondulait, c'était un vrai truc. Bah du coup je vais vraiment clear le champ, je pense que je n'ai pas le choix. Je pense que c'est comme ça que ça va se régler et je vais vous prendre après. Tout de suite. Et je pense qu'il va se passer quelque chose là. Et non, juste non. Du coup, comment passer dans le temple? N'est-ce pas? En enlevant les pierres une par une. Allez, on le fait. Non, je vais voir vite fait si les Mandaloriens m'ont pas drop quelque chose d'utilisable, on va dire. En gros, à mon avis, c'est un petit peu notre seule chance. Ce blazer, si on s'en fiche, cancer de Koiban, on s'en fiche. Tête de Mandalorien. La tête du chef des mordeurs. Ok, d'accord. Bon, alors à mon avis, faut l'amener là-bas. Là-bas. Quelque part. Je sais pas trop où. Faut trouver un camp et le ramener. Je vois que ça. Et ils vont probablement nous dire, oh mon dieu, vous êtes tellement fort. Mais au fait, saviez-vous que vous pouvez désactiver le champ en faisant haut, haut, droite, gauche, droite, gauche. Oh oh baba, droite gauche, start select, et voilà. Ou AB, ça dépend. Il y en a qui disent AB.
Par contre, est-ce que je peux rentrer là? Oui, c'est un vrai chemin. C'est bien ce que j'avais vu, mais j'étais pas sûr. Du coup, je pense qu'on n'aura même pas besoin de se faire deux fois le chemin, c'est plutôt pratique. Ah, c'est l'autre plage, parce qu'il y a plusieurs plages. Donc là, nous sommes à Copacabana. Joli à level up, hein, comme prévu. J'avais même pas remarqué, mais c'est pratique. Et c'est une embuscade. Non, oui, non. Une invitation. Les Rakata, l'élu. Comprends-tu ces créatures? Vous êtes baigné dans le sang, votre force. Ouais, mais du coup, c'est quoi? Ok, y a pas de souci. Et puis on va pouvoir marchander en disant, bah de toute façon, j'ai tué les Mandaloriens et les Mandaloriens, ils faisaient légèrement chier, voyez-vous. Ou alors on se fight. C'est un autre moyen. Par contre, moi je suis une pute, hein. Moi j'ai la force, toi tu l'as pas, je m'en fous. J'utilise. Bah les couilles. Nous ne reverrions. Ah d'accord, je ne suis plus Revan, je suis Juntajas maintenant. Ah voilà quand même, il me croit heureusement. Les anciens, quelle était la teneur de ces Les anciens nous vous aideront. Le temple des anciens, je ne me rappelle plus rien. Ok, d'accord. Alors, commencez par la dernière fois où nous sommes ici. 3 années, on s'est écrasé. On vous a niqué, c'est un petit peu logique. Un petit focus de l'unique, hein, je vois que ça de toute façon. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu mettes de la foudre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il faut tuer ce mec. Allez, allez. Ok, il est presque mort en fait. Oui, il est mort, d'accord. Bien ça. Alors, que Junta prenne des dégâts, c'est chiant. Que Joli en prenne, c'est moins grave. Cast up. Joli, le level up. Direct. On va pas réfléchir. Sagesse. Augmente le nombre de points de force. Améliore. On a dit que c'était mon... On a dit que c'était mon... Mon forceux. Mon force lui donc d'accord, en fait la vigilance ça ne sert à rien, j'avais totalement confondu vigilance et l'autre machin. Et toi, ah oui, en plus t'es mon informaticien forcément parce que t'es le meilleur. Les informaticiens sont les meilleurs comme tout le monde le sait bien évidemment. Il est où l'étourdissement déjà? Allô, what the fuck, je suis pas censé savoir. Étourdissement quelque part. Ah si, c'est ça, stade. Je prends ça carrément en fait. C'est l'étourdissement à son paroxysme. Ça me semble pas mal. Genre, champ de stase. Oui mais non, tu commences direct par ça s'il te plaît. Je veux voir ce que ça donne. Et olé. Là ça, hop là on se calme. Putain. Je restais un PV. Je n'avais pas... Point vu. Et la vigilance ça ne sert strictement à rien, arrête. Ok, la discrétion ça ne sert pas à grand chose non plus.
Démolition, ça ne sert. Oui, d'accord, en fait, il n'y a que les premiers secours qui sont utiles. C'est vrai que. Ah, à part si tu spécialises vraiment. Bon, bah non, vas-y, go vigilance, du coup, tant pis. Mais... C'est vrai que c'est quand même le seul truc utile en termes de combat, on va dire. Absorption de vie, j'ai bien envie de voir ce que ça fait quand même. J'aimerais bien que quelqu'un l'ait. Et Junta, tu vas mourir comme une merde, très probablement. Je te l'annonce. Ah oui, mais en plus, il en a vraiment, c'est de la masse. Oui, Junta, t'es mort. Hein, non, ça c'était con. T'aurais pu tuer. Le guerrier. Un petit champ de stase. Ok. Juni, tu carries. Juni, s'il te plaît. Please. Tu te démerdes. Je veux pas le savoir. T'as pas un truc genre la robustesse ou je sais plus quoi là? Bon, moi je vais croire au. Faire c'est quoi ça? Allez hop, go bouclier de force, je pense que tu vas en avoir besoin. Et t'as juste assez, bien. Enfin, en tout cas, t'as assez. Allez, la défense, on y croit. Ok, je pense que j'ai perdu le combat. Force. J'aime bien d'exciter. Compétence, donc tu réponds au secours, très bien. La vigilance, ok. Don, ça c'est bien. Voilà, plus de combats, deux armes. Bon, j'ai pas le choix. C'est. Et un bouclier de force encore plus fort. C'est possible ça? Ah, mais elle va peut-être s'en sortir la bougresse. Et je dirais qu'il reste deux niveaux. Facile. C'est pas mal ça. En plus, donc, voilà. Alors, non. Non, oui. Non, il y a un truc en forme de muscle. Là, voilà. J'ai plus de vie maintenant. Les soins, ça va peut-être pas être la peine. Tourdissement, on s'en fiche. Blessure, on s'en fiche. Moi aussi, en fait, si les soins, on a pas trop le choix. Ouais, ça va lui rester au moins niveau. C'est parfait. Ok, bon, on va dire que c'est pas grave. Armure de force, ce serait bien en fait. Là, tu mets un petit armure de force. Go, voilà. Et là, boum. Tulte. Ah mais voilà, large. Ok, tranquille. Bon, j'ai pas confiance, ce serait vraiment très con de mourir juste parce qu'on... Parce que je... De mourir parce que je veux... Je veux juste entendre... Tu t'y ailles et de tous ses compagnons? Ah oui, d'accord, mais c'est un buff de zone, ok, très bien. Oui, d'accord, en plus il restait vraiment un level. Donc j'allais pas faire ça juste pour économiser un level, j'allais pas prendre le risque de perdre le combat que je viens de durement gagner. C'est bon, c'est fini? Faut les tuer tout ça là-bas peut-être? Non, même pas. Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Ok. J'ai besoin de ça, merci. Junta, ça va pas? Putain mal. Eh bah tiens. J'ai même pas pu utiliser le Medipack ou quoi que ce soit, il y avait beaucoup trop de dégâts. Qui sont arrivés sur le même sur oui. La même sur les mêmes personnes en fait. C'était un petit peu compliqué. Voilà. On s'en est sorti. Je pense que je vais essayer de faire proquer le dialogue ou je sais pas quoi. Bonjour. Je pense que c'est toi qui fait que je parle. Oui, enfin t'es un peu mort. Qui êtes-vous? J'ai besoin d'un bobo. Il a dit j'ai besoin de faire bobo. C'était moi. Tombe des anciens. À propos du champ, oui. Merci de m'avoir sauvé. Ok. T'as l'air à moitié mort et... Tu cours. Ah, enfin, remarquez, Junta il fait pareil. Mais enfin bon. J'ai gagné 1000 points d'XP pour avoir génocidé un peuple. Oui, ça me semble correct. Et donc ça, je suppose que c'est le loot de l'ancien, ça. Le mec n'a pas bougé, hein. Ça, je pense que j'ai vraiment géré pour le coup. Le mec n'a vraiment pas bougé. Oula! Ah oui, d'accord. C'est Noël. C'est vraiment Noël. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là. C'était l'épisode
Oula, on se calme. 28. 28, ouais. Je suis surpris, mais faut content aussi hein, de voir qu'on a une nouvelle planète. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, non, je pensais vraiment qu'on allait juste voilà quoi, aller sur l'étoile noire. Limite, je pensais que ça se finirait en... La carte stellaire est devant nous, et Malak, combat final. Bon, à l'ancienne. Ça va peut-être se finir. Ça va peut-être se finir comme ça, hein. Attention, je dis pas. Mais je pensais que c'était fini le jeu. Alors que là, non, il doit rester 2-3 épisodes peut-être. Enfin, bon. Et on tape la masse de stuff en plus. Ça, c'est carrément cool. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais juste voir si je peux sortir sans trop de soucis. Il n'y a pas de raison normalement. Ah bah si. La raison, c'est que va y avoir des gardes. Bonjour. Ouf. Ah, absorption de vie, tenez. Je voulais essayer, tiens. Ah, c'est classe. C'est vraiment classe. Bon, après, c'est des ratatas normaux. Go. Bref, je vais sortir. S'il se passe quelque chose, évidemment, je le filmerai. Mais je pense que il ne se passera rien. Je pense que c'est juste des petits combats comme ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Au prochain épisode. À tout à l'heure, tout à fait. La prochaine fois. Ciao, ciao.